Salut les amis. Salut à tous. Donc dans cette vidéo, on va vous parler de notre bivouac en Italie. Ouais, petit road trip de 3 semaines. On a essayé de faire le tour de l'Italie. On n'a pas osé descendre jusque dans les Pouilles parce que visiblement, il y a pas mal de Covid. Donc on a contourné le problème. On est passé directement de l'autre côté. Voilà. Enfin, on va vous montrer tout ça dans la vidéo et puis vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne aussi en Italie pour le stationnement, pour l'essence, comment avoir la 4G. Voilà, on va vous expliquer tout ça. Voilà, tout de suite dans la vidéo. Cette vidéo sur l'Italie, je pense qu'on va la faire en deux parties, une partie ouest et partie est de l'Italie, parce que ça fait quand même un long voyage. Ça fait, on aura fait retour en France, on aura fait quand même quasiment 4 à 5 000 km en Italie sur le parcours. Donc c'est pour ça qu'on va certainement la couper en deux, sinon la vidéo va être trop longue. Je sens que tu te fous de ma gueule. Non, personne.
Bah, j'étais plus à fond hier soir, tu vois. J'étais bien chaud, là. Donc, la première question, c'était est-ce qu'on utilise, on était en camping ou en aire de camping-car ? On n'utilise jamais les campings. Jamais. Alors, éventuellement, on va utiliser des... Les aires de camping-car. Qui sont payants, oui. Ça arrive surtout les jours où on a besoin de vider et de vidanger quand on ne trouve pas, en fait, soit du tout de parking pour se stationner, enfin de lieu où se stationner, ou soit parce qu'on ne trouve pas de lieu gratuit pour vider, quoi. Voilà. Mais en priorité, non, on est dans le gratuit. Généralement, on essaie de le trouver en priorité dans le gratuit, ouais. Savoir quand même que en Italie, c'est pas si simple que ça de trouver un stationnement. En fait, tout dépend de votre véhicule. Nous, on a quand même un camping-car qui fait 6,50 m de long et 2,80 m de haut. Donc, c'est vrai que si vous faites le voyage avec un combi en Italie, les choses vont être beaucoup plus simples pour vous qu'avec un grand camping-car. Parce que le long de l'Italie, en fait, que ce soit sur le côté est ou côté ouest, il y a une ligne de chemin de fer qui borde la côte. Et que pour, si vous voulez avoir des spots sympas, des parkings de face à la mer, vous avez quand même pas mal de ponts à traverser. Enfin, il y a cette fameuse ligne, en fait, de cette voie ferrée à traverser. Et il y a pas mal de ponts qui sont à 2,10 m, voire moins d'ailleurs. Ils sont même obligés de baisser la tête quand ils passent le pont en vélo. Bon, ça, c'est un petit détail. Je trouvais ça assez marrant. Voilà. Enfin, ça fait partie des problématiques en fait de l'Italie, c'est de trouver un stationnement pour des grands camping-cars. Après, si vous êtes en van, voilà, vous allez certainement trouver beaucoup plus facilement des spots sympas. Oui. Et donc, il y avait une question, est-ce qu'on utilise des applications ? Donc oui, on utilise des applications. Donc, comme tout le monde, on utilise ParkUpNight, hein. Enfin, comme beaucoup. Après, on utilise CarMap et Camper Contact. Et depuis qu'on est en Italie, on utilise aussi donc Camper Online. C'est des Italiens qui nous l'ont filé, en fait. Oui, généralement, les Italiens, enfin ceux qui partent avec leur camping-car, utilisent cette dernière application. Oui. On arrive à la télécharger en français. Oui. Et avec toutes les explications en français. Voilà, donc ça nous fait en fait 4 applications où on regarde dessus les stationnements. Et en plus, après, tu as ton GPS de camping-car. Oui. Où tu as rentré dedans en fait les... J'ai rentré les cotes en fait du camping-car. Hein, et ça me permet de voir les emplacements, si ils sont facilement accessibles ou pas, comme je disais tout à l'heure, donc par rapport aux routes, aux ponts et aux largeurs des routes, parce qu'en Italie, tu as pas mal... de rues qui sont quand même assez étroites, hein. Sachant qu'ils sont garés un peu partout sur les côtés, avec les scooters qui débordent. Donc il y a certaines rues où c'est quand même assez chaud, quand même. Et puis, le piéton est prioritaire. Ouais, donc oui. Et donc, c'est quoi ton GPS ? Comment il s'appelle ? Je ne sais plus, je le mettrai dans le descriptif. D'accord, parce que dessus aussi, en fait, il nous donne les parkings. Il nous donne les parkings, ouais. On peut avoir les parkings directement. Ça, à la base, c'est un GPS pour poids lourds, hein, qui a été réadapté pour les camping-cars. Et donc dessus, j'ai les stationnements, c'est des parkings accessibles. Donc voilà. Oui. Bah donc voilà, on utilisait donc ces 4 applications. Ça nous arrive parfois de nous poser en pleine nature et puis regarder avec Google Earth, Google Maps, ouais, ce qu'il y a autour pour retrouver après en spot plus loin. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. You love. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. The way my hands feel.
She will never know, na-na, never know, na-na. She will
Après, je te propose une solution, hein, d'aller te coucher sur tes panneaux solaires là-haut. Non. Et là, merci. J'ai plus les billes qui tombaient dans le. Ça t'intéressait pas? Non, ça va faire mal. Hein. Je crois que les panneaux sont plus secs que moi. Hein. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. On vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.